Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera encore une fois le let's play à Sakura. Donc là, je suis en train de vous faire la voix off tout simplement parce que j'ai tourné cette vidéo en été 2019. Et j'avais mis ma clim parce qu'il faisait une chaleur pas possible vraiment. Et du coup, on n'entendait pas du tout ma voix. En plus, je parlais hyper doucement. Donc du coup, je vous refais la voix off parce que voilà, enfin, je trouvais que c'était pas vraiment professionnel de vous donner un contenu qui n'est pas bien, voilà. Donc là, en fait, dans cet épisode, je voulais placer le café avec vous. J'avais attendu exprès, donc voilà. Donc là, je me rends à la mairie, donc comme vous pouvez le voir, je sais plus si je vous l'avais montré, mais mes dalles sont hackées, voilà. Bon, après, elles sont hackées, il y a 2-3 fleurs, hein. Je veux dire, j'ai pas abusé du hack. Encore une fois, c'est pas moi qui ai hacké, c'est le hacker. Et j'ai changé mon drapeau, voilà, j'ai mis un petit truc avec des sakuras, justement, pour rappeler le nom de ma ville, et je trouve que c'est vraiment trop beau, voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc ensuite, je suis allée à la mairie. Donc je vous préviens de suite, cet épisode est court, hein, je pense que vous l'avez vu en cliquant sur la vidéo, mais je savais pas vraiment quoi faire avec vous, voilà, donc... Donc là, Marie, elle me proposait la rénovation de je sais pas quoi. Enfin, du coup, j'ai pas accepté parce que je voulais faire le café. Voilà, je voulais pas faire autre chose. Donc voilà, donc. Là, j'ai commencé à chercher le projet. Et puis, une fois que j'avais trouvé, tout simplement, je me suis rendue sur les lieux avec elle pour lui montrer où je voulais. Donc du coup, je l'ai placé à un endroit, je pense, qui est... bien, voilà, parce que moi je voyais pas en fait d'autres endroits parce que le café quand même c'est quand même gros comme bâtiment et du coup il faut quand même un peu de place pour pas que ça cache trop de trucs et du coup j'ai décidé pardon de le placer à côté de ma rivière juste quand vous passez le pont en fait et je l'ai placé ici voilà et je pense que je peux faire quelque chose avec. Parce que je vous avais dit que je voulais faire une ville un peu en bazar. Alors oui, mais c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que forcément, vous êtes un peu plus guidés avec les chemins. Et franchement, je pense que les villes SNS, pas pour moi. Parce que si je mets pas des chemins, ça va pas. C'est pas organisé, comme vous pouvez le voir. Mais si j'en mets, dès qu'il y a un habitant qui se barre, ça devient vite le bazar, en fait. Voilà. Donc bref, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc là, tout simplement, je suis allée prendre les clochettes pour rembourser mon café tout de suite. Hein, comme ça, voilà, c'est fait rapidement. Donc voilà, donc je suis allée prendre des sous et tout simplement, je les ai déposés au Giroid. Donc quand même, le café, il coûte quand même assez cher, mais bon. Pour ce que c'est, ça vaut le coup. Comme, je sais pas, vous pouvez prendre des cafés, vous pouvez genre... rigoler avec vos potes si vous êtes en wifi et vous pouvez travailler au café donc je trouve que c'est quand même avantageux et donc du coup là j'ai sauvegardé pour pouvoir avancer les jours. Oui, je fais partie de la team qui avance les jours, voilà. Et j'avais mon café, voilà, donc j'étais très 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 contente, voilà. Et puis je pense que ça va être tout pour cet épisode, comme je vous le disais dans la vidéo. Parce que déjà, je ne savais pas quoi faire pour pas trop vous spoiler. Et de deux, je sais que les vidéos trop longues, en tout cas sur ma chaîne, elles ne plaisent pas forcément. Voilà. Donc des fois, j'en fais pour des occasions spéciales, genre les 300 abonnés que j'ai passés. Donc merci beaucoup. Mais sinon, je sais que ça ne plaît pas vraiment. Et donc du coup, je préfère vous faire des vidéos qui vous plaisent. Voilà. Donc du coup... c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, mes licornes, et je vous dis à la prochaine. Bisous!